Alors Mathéo, ton avis sur ce qu'on va faire aujourd'hui? L'îlomètre. L'îlomètre. Explique-moi ce que c'est l'îlomètre. C'est un îlot. Merci Mathéo. Vous savez pourquoi on appelle ça un îlomètre? Parce que c'est un îlot, ce qu'elle s'appelle mètre. Bonjour la boudeuse. On est en exploration. On a vu un bébé requin. Ouais. Parce que ça a la tête d'un requin, mais c'est jaune. C'est l'île du paradis, il y a la mer et une piscine. Vous savez, j'étais puni, et si je voyais un requin, et ben je suis des punis. J'ai vu un requin, je suis des punis. Un requin quoi? Un requin citron. Ouais. C'est un bébé requin. On est d'accord, c'est un requin, hein? On mange un sandwich, ça n'est pas désert. Trop bon. Ah. Pas si désert que ça. Vraiment? Bah non, il y a des transats là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qui c'est qu'ils ont mis là? Ils ont fait parfait sur l'île. Et donc tout à l'heure j'ai vu un passer là, pareil avec les trois bleus là. Et il avait vraiment les deux ailerons sur le côté plat et le bouton la pointe là. Ah, c'est y ressemblé. Alors je vous présente notre bungalow pour la nuit. Merci de m'ouvrir. Bonjour. Papa, en fait, le 165. Le lit des enfants avec un petit salon. La chambre des grands. Une salle de bain immense. Avec des petits kilos. Non, c'est des robes de bain, Mathéo. Et attention, le meilleur pour la fin. Le petit extérieur, avec douche, vue mer, personne en contre-champ. L'eau. On entend la mouette qui est pas contente. Un petit vlog pour parler à tes abonnés.
faut parler à nos 4 abonnés, Jessica. Qu'est-ce que tu en penses de ton séjour vacances? Regarde par contre, c'est pas où là? Regardez devant les abonnés. C'est très très beau. Ah mais je filme des gens qui marchent. Les gens ils vont en avoir marre. On devrait bien. Non? Ouais, ça passe. Hein. Allez, Robinson, en avant. Ça filme. Ah ouais, mais là, il y a plus de sable. Ouais, mais moi, elle voulait sur la côte. Alors, on va sur la côte. Il est là, le nôtre. Alors, nous sommes à la recherche d'un grand requin blanc ou plus simplement d'un tricorille. Tiens, regarde, là, sincèrement, vu le déplacement dans le sable, c'est un déplacement de serpent. Oui, bon, ouais, c'en est quand même un. Et en plus, aller à la piscine. Regarde, il va aller dans l'eau, là. Je pense pas qu'il aime le chlore. Alors, ce réveil matinal face à la mer. Ouais. Trop beau. C'est tout, juste ouais. Mathéo explique. Il veut dire ouais. Il y a des tortues. Quand c'est fait réveiller par les tortues. Et hier soir. Et c'est tôt. Regardez-moi, c'est tôt. Hier, on a vu des tricorillés. Pour résumer, on se réveille ce matin. Qu'est-ce qu'on voit? Un banc de tortues. Trop beau. Obligé de sauter aussitôt dans l'eau dès le réveil. Papa. Magnifique. Et l'autre, elle est toujours là, Lisa. Si tu veux la prendre en photo, elle arrête pas de sortir. Il y en a 10. Il y en a un citron. Il est parti au milieu du lagon, là. D'accord. Le même poisson jaune qu'on avait vu la dernière fois, mon cœur. Non, mais c'est pas un requin. Mais c'est pas un requin, regardez, Lisa. Donc t'es au puits. Pas un requin. J'ai fait. Papa, il me l'a bien montré. Un zoom. Attends, elle va sortir, elle. Elle va sortir. Je sens. Elle... Okay. Non, elle s'impose. Petit-déj. Petit-déj, Mathéo. Ouais, Lisa. Yes. Sous l'attaque des mouettes. Elle guette. Non. Tout à l'heure, on s'est fait attaquer, il y en a une qui a voulu manger le repas à Mathéo. Thank you.
Thank you.